Demandez-moi qui je suis. Demandez-moi qui je suis. Qui est Anna Scott? J'ai été créée par Dieu. C'est lui qui m'a faite. Donc je ne suis pas une erreur. Son fils est mort pour moi. Il a donné sa vie pour que je sois pardonnée. Il m'a prise parmi tous les siens. Donc j'ai été choisie. Jésus m'a sauvée. Donc je suis désirée. Il m'a apporté la grâce. Parce qu'il a voulu me sauver. Il a des projets pour moi. Parce qu'il a de l'amour pour moi. Alors je ne m'inquiète plus, Coach Harrison. Je suis une enfant de Dieu. Je voulais que vous le sachiez. À un moment, chacun de nous se pose la question : qui suis-je vraiment ? C'était difficile pour moi. J'avais l'impression d'être une erreur. De ne pas avoir ma place dans ce monde. Je ne me sentais ni désirée, ni aimée. Je recevais des messages tellement contradictoires du monde autour de moi que je vivais dans la confusion la plupart du temps. Mais quand j'ai pu enfin connaître mon créateur, j'ai trouvé mon identité. Ce que je suis ne dépend pas du regard que portent les autres, ni même de ce que je ressens à un moment donné. C'est le créateur qui définit sa créature. J'ai toujours des bons et des mauvais jours. J'ai toujours des difficultés. Mais malgré tout ça, j'avance en compagnie de celui qui m'aime, qui est mort pour moi et qui vit en moi. Il a tout affronté pour moi. Le péché, la souffrance et la mort. Alors je marche avec lui, jour après jour. Je place ma confiance en lui, jour après jour. Et puisque c'est en lui que je trouve mon identité, je sais exactement qui je suis.